Bonjour, Miss Tachère, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant la législation de travail. Klein Rabat est une société à responsabilité spéciale dans la production et la commercialisation des produits de nettoyage. Le directeur des ressources humaines met à votre disposition une situation afin d'effectuer son analyse. Monsieur, la situation est la suivante. Monsieur Ali Hakimi, ouvrier dans l'atelier de fabrique depuis 8 ans, a dit Timsni, son salaire mensuel moyen de la dernière année est 4 200. Le directeur des ressources humaines l'informe la fin de la relation de travail suite à sa participation à une activité syndicale générale de la société. Travail à faire. On va préciser la durée de préavis de licenciement pour M. Ali Hakimi. On va expliquer l'utilité de la période d'essai de préavis F1 de licenciement pour le salarié. Première question. On sait que M. Hakimi est un ouvrier ou d'après la loi. La durée de préavis dépend du temps et dépend de poste, puisqu'il est ouvrier, M. Hakimi. S'il travaille moins d'un an, 8 jours, s'il travaille de 1 an à 5 ans, 1 mois, plus de 5 ans, 2 mois. D'après le texte, il a travaillé 8 ans. Ça veut dire la période d'essai de M. pour Hakimi est 2 mois. De préavis pour monsieur on va répondre à la deuxième question, l'utilité de la période de préavis, l'utilité première utilité, éviter les inconvénients. Rupture. Contrat. Travail. Deuxième utilité, c'est pour l'ouvrier, c'est chercher un autre emploi. Merci de vos attentions et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à t'abonner pour recevoir d'autres vidéos.